après-midi, rencontrer encore une fois la population d'Haïti pour nous signaler que COVID-19 est là toujours. Même si en Haïti, heureusement, nous pas aussi affectés qu'un pile l'autre côté, quand nous voisins nous, Saint-Domingue, mais quand même, le virus là, est là. Et en pile l'autre côté, yo prévoit que capable gagner une nouvelle vague de virus là. C'est peut-être ça que nous t'ai créé organisation qui est les PROC 19. C'est un regroupement de un paquet d'institutions de société civile là sous leadership AGRK et VDH. Pour faire face à COVID-19 là. Et jeudi, nous avons rencontré tout le monde parce que nous avons des nouvelles phases avec de nouveaux financements pour que nous soyons capables de continuer la bataille contre COVID-19 là. COVID-19 là n'est pas fini et surtout, il dit nous que nous allons gagner pour nous apprendre à vivre avec COVID-19 là. Parce qu'il n'y a pas prévoit que c'est une épidémie qui pourrait disparaître rapidement. Donc, c'est peut-être ça que mesure de protection que nous prenons, certainement, il a joué un rôle et nous convaincus que c'est une raison qui fait que nous ne pas frapper autant que l'autre côté. Maintenant, pour que nous continuions à protéger tête nous, campagne que nous menons, campagne que nous continuons à mener, il faut que nous continuions et motivation en tout, avec la population en général, il faut que nous continuions. Encore une fois, insister pour que la population prenne garde, continue à pratiquer la distanciation sociale, pratiquer les gestes barrières. Rappeler aussi que justement le COVID-19 n'est pas le seul risque auquel nous faisons face. Il faut rappeler aussi sur une note positive qu'Haïti a été cité par l'OMS comme un des pays qui a été le mieux, je dirais, pas préparé, mais qui a fait le mieux face à la pandémie. C'est quand même une bonne note pour Haïti. Je rappellerai que nous avions déjà été cités aussi dans le modèle de la lutte contre le choléra. Ça prouve que quand Haïti veut, quand le pays veut, quand la société civile se met en coordination avec d'autres membres, le PNUD, les bailleurs de fonds, la société civile d'une manière générale, l'ADPC, le gouvernement, on arrive à faire de belles choses. Je crois que malheureusement, le week-end dernier, on a vu que nous sommes très un pays à risque. On l'a vu encore une fois. C'est vrai que c'était une tempête tropicale. Il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup trop de victimes. Même une seule serait déjà de trop. Ça veut dire que ce qu'on a su faire pour le Covid-19, il faut continuer à le faire pour les autres risques. Je veux dire, c'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir et à construire une société résiliente. Puis 20 mars 2020, nous avons commencé ensemble d'activités dans près de 40 communes au niveau national. Et côté que nous avons fait plusieurs interventions, d'abord nous avons fait la distribution matérielle, fait sensibilisation et puis fait aspersion dans plusieurs espaces, tant qu'au commissariat, l'école, l'église et marché public. Côté que à travers l'activité ça, nous, au niveau CPDEP, avec différents autres partenaires, nous, tant que Protection civile, AGRK, VDH et POC 19, nous arrivons à toucher 40 communes dans la première phase et activité que nous avons menées au niveau national. Côté, bon, bagaille pas de facile, nous connaissons ça, expérience ici en Haïti, coordination, accès pour joindre mon par téléphone, et déplacement qui est vraiment difficile. Et nous connaissons tout avec transport public qui était censé pas exister. Donc c'était vraiment difficile pour nous arriver à toucher 40 communes au niveau national. Donc je dis à nous, avec AGRK et VDH, à faire une deuxième partie, côté que nous allons joindre mon dans le quartier qui est plus ou moins difficile d'accès. Tant qu'aujourd'hui, nous travaillons dans la zone métropolitaine, nous mettons en pile accent sur les femmes avec Timoun. Et côté que nous connaissons réouverture l'école là, lorsque réouverture l'école est arrivée, donc AGRK avec VDH, c'est une nécessité pour nous mettre en pile et accent sur l'école avec l'église. Yo. Et nous continuons de travailler avec le commissariat yo, et avec le marché public yo, dans la zone métropolitaine. Nan.
Donc, nous pas oublier gros support équipe DPCA bail au niveau département l'Ouest là et yo même qui censé connait tout département qui toujours accompagner toute équipe CPDEP VDH AGLK et sur le terrain et jodi a nous vraiment commencer joindre feedback yo parce que gagne en pile monde qui commencer à reler qui a expliqué donc tel et exercice nous t'ai apprendre pour faire yo kembel la kayo par exemple la kay qui gagne plusieurs moun yo n'a expliqué moun yo comment que pour et respecter distance yo qui pas facile au départ mais jodi a nous river faire moun yo comprendre nécessité pour que yo vive et la communauté a pour respecter distance sociale yo et puis continuer protéger tête yo obligatoirement depuis moun yo prend la rue yo connaît pour mettre un masque et dans toute camionnette nous vraiment content nous moun yo river comprendre nécessité pour mettre un masque là prend la rue. Donc jodi a nous a accompagner famille autour à travers programme ça que AGLK avec VDH a fait dans plusieurs communautés au niveau et département yo nous a touché trois départements dans deuxième phase là jodi a gain l'ouest là nord-est avec Antibonite que nous a fait deuxième et phase activité yo. Donc avec Mario jodi a qui lui-même c'est une agent qui fait majorité activité de terrain yo qui a fait expérience assez intéressante dans jalousie et qui pral gen pour lui expliquer nos différentes contraintes qui te gagné dans communauté yo pour moun yo te accepter parce que moun yo gon mythe corona pas existé vrai donc c'est nous même qui a venir avec sorti dans l'autre communauté yo avant que yo te rivé parler avec moun yo dans communauté a c'était un exercice qui était très difficile et surtout te gagné en rumeur qui a couru dans communauté yo que c'est moun qui a sorti dans l'autre communauté qui a venir dans zone qui pote virus là et yo même les te gagné pour te monter dans zone là pour y aller faire sensibilisation avec moun yo d'abord faut aller pour aller prendre contact avec responsable école yo l'église yo et commissariat yo plus marché public yo lui même il te gagné pour te faire première étape ça. Deuxième étape là c'est river et bâti un calendrier d'intervention avec moun yo et puis troisième étape là c'est faire aspersion et puis et distribution kit dans plusieurs zones yo. Dans le cadre projet soutien communautaire VDH et CPDEP qui gagne plusieurs aspects là-dedans. Premier bagage nous rivé faire dans projet ça nous identifier tout quartier qui dans jalousie. Nous connaissons jalousie c'est une zone qui vaste en pile. Il y a plusieurs quartiers là-dedans, nous prenons Bas Jalousie, nous prenons Rostenio, Sego, etc., Tchétchénie, nous prenons encore Terrier Rouge, nous prenons toute zone ça, nous identifions tout quartier, nous identifions des familles qui vivent vulnérables. Dans le cadre premier aspect, nous jouons des familles comme si nous visions, nous disons comme ça, nous avons un kit alimentaire. Mais dans le cadre de sensibilisation nous avons pour nous faire, nous sensibiliser zone par rapport avec des messages pré-enregistrés sur le microphone et nous même tout pour nous jouer une leader, ce n'est pas facile du tout. Pour nous arriver dans l'école ça malgré nous t'avait si nous chit ensemble avec eux mais pas facile nous arriver convaincre quand même ils ont accepté nous aspergé tout temps l'école l'église et nous arriver dans phase lavage des mains tout ça c'est des travail que nous fait mais travail un peu difficile mais nous arriver convaincre nous jeune support en pile jeune dans communauté qui d'accord avec ça en affaire qui même qui est vrai qui dit y a aider nous dans travail qui en affaire c'est un travail qui difficile mais avec capacité non connaissance nous gain attitude que nous gain habitude travail sur terrain nous réaliser tout travail ça yo à jalousie. Normalement tout au début de pandémie hein, la DPC ensemble avec partenaires yo té réfléchi sur un ensemble d'activités pour sensibiliser et population dans objectif pour préserver la ville face à pandémie. AGLK c'est une gros partenaire qui dans société civile là qui partenaire DPC partenaire système national gestion exact des ça et qui utilisait réseau protection civile là pour vraiment mettre des activités dans communauté yo. Normalement structure protection civile yo à travers brigadier yo t'es à pied d'œuvre dans mener activité sensibilisation avec support ou ensemble de partenaires notamment AGRK. Au départ c'est nous t'es essayé garder outils de communication, comment nous devons adapter à la question ça, et nous avons fait des rencontres, plusieurs rencontres avec partenaires système non pour nous voir comment mettre des activités et sous pied. Et nous avons priorisé ça les activités de proximité, utiliser brigadier nous, utiliser structure protection civile pour adjoindre nous, utilisant des canaux de communication tels que mégaphone et aussi des outils que nous avons montés. Et jusque-là, comme dans l'introduction du président, c'est vrai, COVID là, il est toujours là, mais quand même, le travail qui fait, c'est arrivé à la jeune population et
quand même nous avons des changements de comportement dans la pratique et population par rapport à COVID là. Par exemple, ne serait-ce que la vie, mais c'est vrai parce que tout côté passé dans caille dans business monde où est un point de lavage des mains. Quand même, c'est des bonnes choses et c'est grâce à cette mobilisation de la part des acteurs étatiques et des acteurs de la société civile, du privé, qui fait une dérivée à ça. Maintenant, parallèlement à ça, dans le travail de protection de la population, hein, dans le moment ça, nous sommes en pleine saison cyclonique, nous sommes obligés d'adapter également le message que nous avons dans le moment à contexte COVID. Là. Nous avons une saison cyclonique qui est particulièrement différente de l'autre, parce que nous avons un COVID, une pandémie qui nous doit dilaver. Donc, encore une fois, avec support partenaire système national de gestion des risques, dont AGRK, récemment, semaine dernière, là, nous avons fait expérience, nous avons message de sensibilisation à la population, hein, tout en tenant compte de ces situations qui existaient par rapport à la COVID, là, et aussi adapter abri provisoire qui te recevra quelques monde dans des zones à contexte COVID. Là.